J'ai découvert l'escrime à l'âge de 6 ans et tout de suite ça a été un coup de foudre. Et puis il y avait ce truc avec le masque. À l'époque j'étais plutôt timide et ça m'a vraiment aidée à m'exprimer. Un peu comme un bouclier qui m'a rendue plus confiante. Et puis très vite j'ai commencé à aider mon maître avec les plus jeunes, à réfléchir à des méthodes d'apprentissage, à donner des petites leçons. Et maintenant en tant que maître d'armes, je m'efforce de partager mon expérience d'athlète et tout ce que représente l'escrime. Le maître d'armes, c'est celui au départ qui détient toute la technique. C'est lui aussi qui alimente un peu le rêve parce que comme l'escrime est très peu médiatisé, les petits de maintenant, ils sont quand même beaucoup plus inspirés par leur maître d'armes que par des champions. C'est lui qui sait tout faire et donc tu t'inspires beaucoup de lui. Le fait que je suis une femme dans ce métier, franchement, je me vois juste comme une femme, sans mettre l'accent sur cet aspect. En escrime, t'es vraiment respectée plus par ton niveau technique et les résultats sportifs que t'as pu avoir en tant qu'athlète. J'ai toujours entraîné plein de garçons au club et je pense que être une femme ne les a jamais dérangés. On est là pour l'escrime. Point.